Exode 17, le verset 8 à 15, on a vu comment Amalek a barré le chemin à Moïse pendant que Moïse, n'est-ce pas, partait avec le peuple d'Israël à Canaan. Canaan, lieu qu'on appelle le lieu de la promesse, il partait à Canaan et sur le chemin de Canaan, il y a eu souci. Ils ont barré le chemin. Mais Moïse ne s'est pas laissé faire. Moïse et le peuple, Moïse et Aaron et Hur, ils sont montés dans la présence de Dieu en temps de prier. La Bible dit, pendant qu'eux prièrent, le peuple d'Israël avait, n'est-ce pas, la victoire sur Amalek. Et pendant que les mains de Moïse s'affaiblissaient, c'est Amalek qui avait la victoire sur, n'est-ce pas, Moïse. Le peuple d'Israël. C'est pour dire, le jour où tu vas t'affaiblir, le jour où tu vas t'affaiblir spirituellement parlant, le jour où tu ne donneras plus d'importance à la prière, bonjour au problème. Le jour où tu ne vas plus donner de l'importance à la prière, où tu vas mettre la prière au second plan, où tu vas dire, oh non, et c'est après, non, je n'ai plus le temps pour prier. C'est là que tu verras que la prière, c'est là que tu vas voir, bonjour, les difficultés. C'est là les difficultés vont commencer, n'est-ce pas, à pleuvoir dans ta vie. Sauf cela pour dire, la prière, elle est vitale, elle est importante pour chaque chrétien. Elle est importante pour chaque chrétien. Si tu ne pries pas, frère, tu auras des problèmes. Si tu ne pries pas, la sorcellerie va s'installer chez toi. Si tu ne pries pas, tu perdras des combats. Parce que les victoires se remportent dans la prière. Les victoires se remportent dans la prière. C'est quand on prie qu'on a la victoire. C'est quand on ne prie plus qu'on a la défaite. Ton secours ne viendra pas par un voisin, ni par la connaissance, ni par tes relations que tu as, tes relations intellectuelles ou tes relations que tu as. Non, tes grandes victoires se rencontreront lorsque toi, frère, et ma soeur, mon frère, lorsque tu te donneras à la prière. Donne-toi à la prière. Donne-toi à la prière. C'est le jour où tu vas commencer à prier que tu recevras la grâce de Dieu chez toi. C'est le jour où tu vas commencer à prier que la main de Dieu va commencer à te visiter. Si tu veux voir la visitation du Saint-Esprit dans ta famille et dans ta maison, si tu veux voir la main de Dieu te protéger, il faut que tu pries. Vous savez, les grandes victoires se rapportent les nuits. Les grandes victoires se rapportent les nuits. Quand vous voyez une rébellion, les grandes rébellions, les gens attaquent dans la nuit. C'est dans la nuit les gens attaquent. Les gens n'attaquent pas dans la journée. Remarquez très bien. Je suis en train d'ouvrir les yeux sur quelque chose. Les grandes rébellions, quand ils ont attaqué, c'est dans la nuit. Ceux qui attaquent généralement dans la journée, ils perdent le combat. Je ne parle pas de physiquement, je ne parle pas de non, attaque la nuit. Non. Les rébellions physiques où les nations, les rebelles entrent dans un pays pour attaquer, c'est dans la nuit qu'ils attaquent. C'est dans la nuit que les grands combats se livrent. C'est dans la nuit qu'on a des grandes victoires. Dans la nuit. Voilà. Dans la nuit que l'ennemi attaque. C'est dans la nuit que l'homme qui est le plus fort se lève pour attaquer. Faut vous dire, la nuit est trop stratégique. Cette nuit-là est trop stratégique. Parce que c'est la nuit qui engendre le jour. Mais pour que le jour se mette en mouvement, c'est que la nuit, dans la nuit, tu as déjà rencontré des victoires. C'est que tu as déjà remporté des victoires dans la nuit. Les victoires que tu auras remportées dans la nuit, n'est-ce pas? Tu rentreras en possession de ça dans la journée. Sauf cela que des prières, des grandes prières de combat, généralement se font dans la nuit. Se font dans la nuit. Jésus est un homme qui priait la nuit. Jésus est un homme qui priait beaucoup la nuit. Oui, parce qu'il voyait toujours Satan descendre pour attaquer son ministère. Il priait chaque fois dans la nuit. Écoutez très bien, comme je disais, quand vous allez voir une rébellion dans tel pays, vous avez vu, cette nuit-là, ils ont attaqué, la rébellion a attaqué. Cette nuit-là, ils ont attaqué. Parce que dans la nuit est trop stratégique. C'est pour cela que pour ceux qui veulent des attaques terribles, vous voyez que l'ennemi se ligue contre vous. Vous savez qu'autour de vous, chaque fois, c'est des attaques. Le diable se ligue contre vous. Le diable veut vous nuire. Il veut bloquer vos mariages. Il veut bloquer ton projet de mariage. Il veut bloquer ton projet, n'est-ce pas, de bénédiction. Et chaque fois, tu es toujours bloqué.
Chaque fois, tu es toujours bloqué. Et tu as l'impression que tout est bloqué autour de toi. Bien qu'on a prophétisé sur toi, bien qu'on a dit des choses sur toi, frère, lève-toi. La Bible dit que lève-toi car ta lumière arrive. Lève-toi. Et il n'est pas dit d'aller chanter. Mets-toi dans un système de prière. Pour que ton identité spirituelle change, toi qui es en train d'entendre. Parce que le diable voit en toi quelqu'un qui l'a bloqué maritimement parlant. Tu ne dois pas te marier. Frère, regarde ta vie. Regarde l'âge que tu as. Goumet peut te tuer. La goumétologie. Tu es là. Il n'y a pas quelqu'un pour parler avec toi, pour dire je t'aime, chérie. Je t'aime. Bisous, bonne nuit, ma chérie. Ça, de temps en temps, ça chasse les cauchemars. Tu es convaincu que l'homme, là, c'est l'homme de ta vie. Tu es convaincu que cette femme, c'est la femme de ma vie. Mais il y a un mais. Mes frères, toutefois qu'il y a une bénédiction, il y a toujours opposition. Le diable s'oppose toujours. On a vu Amalek s'opposer à Israël. On a vu Amalek s'opposer à Israël. Mais la Bible dit que jusqu'au coucher du soleil, il ne s'est pas laissé faire. La Bible dit que les mains de Moïse furent levées jusqu'au coucher du soleil. Les gens, ils s'affaiblissent très vite. Ils commencent, quand ils ne voient pas un résultat immédiat, ils lâchent. Oh non! Oh non! Il faut persévérer dans la prière. Pour que Dieu change les situations de ta vie, pour que Dieu change l'histoire de ta vie, pour que Dieu change ton identité, frère, ton identité spirituelle et te force à rentrer dans une dimension de puissance, de miracle, c'est que tu as remporté une victoire. Vous savez, là, quand on parle de victoire, c'est qu'il y a eu combat. C'est lié. Les deux choses sont liées. Oh, il y a la victoire. Non. La victoire veut dire tu as combattu. Victoire veut dire, frère, ma soeur, ma fille, mon fils, ça veut dire tu as combattu. Où il y a une fois une victoire sans combat? Où il y a une fois vu quelqu'un qui a combattu, qui a eu la victoire sans combat? Ça n'existe pas. Tu veux avoir la victoire dans ce combat que tu mènes pour posséder ton homme, pour avoir ta femme, pour avoir ton mariage, pour avoir ton foyer, pour avoir ton travail, pour avoir, pour entrer dans ta destinée. Tu es convaincu que celui-là, c'est mon homme, c'est ma femme, c'est mon boulot, c'est ici, c'est ce travail-là que je dois avoir. C'est ça. Vous voulez penser que quoi? Ça va venir facilement comme ça. Il y a une histoire. Il doit avoir une histoire. Donc écoutez, c'est l'histoire-là qui fait le charme de cette victoire. C'est l'histoire-là qui fait le charme de la bénédiction. Parce que sans qu'il n'y a pas de combat, il n'y a pas de victoire. Quand on parle de victoire, c'est qu'on a combattu. Les gens veulent crier victoire sans combat. Quand on dit victoire, c'est qu'il y a eu combat. Et le combat peut être rude. Le combat peut être rude. Pas facile d'ailleurs, mais c'est un combat. Et ce qui nous réjouit pour nous les croyants, qui croyons à la puissance de Jésus-Christ, nous combattons dans la victoire. Parce que Jésus a dit, tout est accompli. Tout est accompli. C'est ça qui lève-toi dans la prière et ne dors plus. Tu as vu qu'il y a un sorcier. Tu le vois constamment dans les rêves. Ou bien souvent, vous savez, souvent quand vous êtes dans la maison, vous êtes en train de dormir, vous sentez une présence, mi-sommeil, mi-veille, c'est-à-dire que tu ne dors pas. C'est comme si tu ne dormais pas, tu ne sommeais pas et tu as l'impression qu'il y a une lourdeur, quelqu'un veut t'appuyer. Ça veut dire que la présence d'un sorcier est rentré dans ta maison. Je te dis ça aujourd'hui. C'est un esprit qui est rentré. Et si c'est constant dans ta vie, ça veut dire que constamment dans ta vie, il y a un esprit de la sorcellerie qui te poursuit et contrôle ta vie. Mais vous allez me dire, j'ai fait comment? Mais lève-toi dans la prière. Non, j'ai prié. Non, il faut doubler d'efforts. Mes frères, il faut que tu rentres dans un moment de prière. Ce n'est pas dans la bouche, ce n'est pas dans la faiblesse. Que l'identité change, révèle-toi, sinon ça va t'écraser. Révèle-toi, sinon tu perdras ce combat. Tu le perdras ce combat. Si tu veux remporter cette victoire, si tu veux que ton mari te revienne, tu veux que ta femme te revienne, tu veux que ce foyer te revienne, tu veux que ton emploi te revienne, tu veux que les choses te reviennent, que les choses soient en train de t'échapper, tu n'as pas envie de perdre, lève-toi dans la prière, lève-toi. Fais les 21 jours de prière, de combat.
Commence à parler à l'adversité. Commence à parler. Oui, je ne vais pas perdre là mon mari. Je ne perdrai pas mon foyer. Je ne perdrai pas, n'est-ce pas, cet emploi. Non, je rentre dans un moment de prière. Oui, la sorcellerie. Je combats toi, ma soeur, qui s'est liguée contre moi. Je te vois dans mes rêves. Je combats tes œufs. Tu terrasses, tu dois fléchir les genoux. Mon père doit fléchir les genoux. Ma mère fléchit les genoux. Mon fils, oui, tous ceux qui sont en train de truc, fléchissent les genoux. Qu'ils confessent pendant la nuit. Vous parlez, si tu connais son nom, tu l'attaques dans ta prière. Tu l'attaques dans ta prière. Tu prends, je détruis le pouvoir des limitations autour de moi. Je détruis après les 21 jours. Avant les 21 jours, tu vas attendre que le village il est tombé. Tu vas attendre que quelque part, quelque chose s'est passé. Mais Jacob, son nom n'est pas devenu Israël comme ça. Son nom est devenu Israël lorsqu'il a prié. Frère, toi tu veux que les choses changent en pleurant? Non, je suis désolé. Toi tu veux que les choses changent parce que tu as raison. Tu as raison comment? Les victoires se remportent dans la prière. Tu as faibli, tu te dis non, donc tu veux laisser faire. Non, on ne laisse pas faire. On ne laisse pas faire. Les bénédictions, ça se mérite. C'est dans un combat qu'on rentre en possession de notre Dieu. On a toujours... Non, la vie appartient aux hommes forts. La vie appartient aux hommes qui combattent. Qui combattent. Donc, réveille-toi. Combat le bon combat. La Bible dit que vous avez combattu le bon combat. Tu es une guerrière. Tu es un guerrier. Ne laisse pas faire. Ne laisse pas le diable miner ton territoire. Oh, Rachakabababababa. Je prophétise si quelqu'un maintenant, pendant que tu m'écoutes, la parole de Dieu me déclare, tu rentreras en possession. Oui, la possession de ton mariage. Pendant que tu m'écoutes, reçois cette grâce de Dieu sur ta vie. Reçois cette grâce de Dieu. Pendant que tu m'écoutes maintenant, le mal dont tu souffres, le Seigneur en train de faire disparaître ce mal. Le mal en train de disparaître. Frère, recevez la grâce de Dieu. Soyez bénis. Lève-toi dans la prière. Ne laisse pas le diable prendre le dessus. Ne laisse pas. C'est nous qui donnons raison au diable. C'est toi qui donneras raison. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Laisse pas le diable te gagner. Lève-toi. Jacob s'est levé dans la prière. Bien qu'il ait la bénédiction de son père, la maison prophétique, mais pour que son identité change, il a prié. Pour que son identité change, pour que Jacob devienne Israël, il a combattu. C'est quand tu rentreras dans un moment de combat. Pendant les 21 jours, les choses vont changer. Tu as dit, mais j'ai déjà prié, j'ai déjà fait action prophétique. Non, on ne cesse jamais. Tant qu'il y aura l'adversité, continue. Il faut que les choses tombent. Il faut que les murs tombent. Il faut que les murs tombent. Il faut que les murs tombent. Recevez chez vous la main de Dieu. Je prie que Dieu te fasse comprendre l'importance de la prière. Je prie ce soir que Dieu mette dans ton âme que tu as besoin de prier. Je prie ce soir que Dieu te donne à cœur d'être une femme, un homme de prière. Recevez la grâce de Dieu. Oh, Rabba Shakababa. Oh, la Shayon de Praise the Bible de Jesus. La main de Dieu vous fortifie. Recevez une onction particulière chez vous, là où vous êtes maintenant. Que tous ceux qui vous accusaient maintenant, à tort, à travers, recevez chez vous l'avocat qu'on appelle Jésus-Christ qui vous rend justice au nom de Jésus. Jésus te restitue tout ce que le diable t'a volé. Il te restitue ce que le diable t'a volé. Il te restitue maintenant. Oui, il te restitue. Il est sur tes larmes. Tu as tellement pleuré. Tu as pleuré. Tu as dit au Seigneur, je compte sur toi. Seigneur, je compte sur toi. Oui, Dieu a écouté ta prière. Il te donne du travail maintenant. Il te donne du travail maintenant. Il t'accorde la promotion. Il t'accorde l'enfant dont tu attendais si tant. Il t'accorde maintenant l'enfant que tu attendais si tant. Reçois. Reçois. Aussi, sois une femme de prière. Shalom à vous. Que Dieu bénisse. Shalom. Que Dieu bénisse.